Chez le coiffeur, dans un coiffeur afro. Le titre de la chanson s'appelle Danse avec moi, featuring Papa Tank. En fait, ce qu'on voulait vraiment retranscrire dans ce clip, c'est nos trois personnalités. Donc voilà, on a un petit peu raconté à peu près ce qu'on fait. Moi, dans une voiture qui va chercher les filles. Philippa, toujours chez le coiffeur, en train de se pouponner aussi. Et Lila, voilà, dans sa chambre. On voulait vraiment nous décrire aussi toutes les trois. C'est trop bien conduire, ma copine. On part théoriquement chercher Lila pour aller dans une super soirée où on vous convie tous d'ailleurs. Danse avec moi, c'est de la musique. On explique vraiment qu'on aime la musique, qu'on aime danser dessus et qu'on peut justement partager cet amour de la musique avec quelqu'un. C'est simplement une invitation à faire la fête, à danser, s'amuser. Fin de séquence pour Lila. Fin de séquence, on passe au Papa Tank. Les déesses, alors pourquoi ce nom? En fait, c'est un petit clin d'œil parce qu'au départ, c'est les gens avec qui on travaillait qui nous appelaient comme ça. Et le jour où il a fallu trouver un nom de groupe, c'est ce qui est ressorti naturellement. On avait un peu peur qu'au début, les gens le prennent au premier degré, puis finalement, ça passe tout seul. 3h45. Et c'est quelle scène qu'on fait? La scène de la rentrée des DS en boîte. L'entrée dans la boîte. En fait, les gens ils vont être un peu perdus, mais on ne fait pas les scènes dans l'ordre. Ce deuxième clip est très différent, parce qu'il y a des figurants. C'est vrai que dans le premier, on était toutes les trois. Et là, il y a beaucoup plus de figurants, et il y a le featuring avec les papatons, donc c'est autre chose, là. C'est une sorte de bloc party, c'est un système, et puis on se faufile à travers les gens qui dansent, et voilà, quoi. C'est la fête. Action! La danse sera très importante dans ce clip. C'est comme ça qu'on va essayer de faire ressortir ce petit côté reggaeton, un peu dancehall. Et donc on va essayer de tout donner dans la chorégraphie, dans les mouvements. Vraiment donner des pas très sensuels, très dynamiques. Donc on adore ça, franchement. Vous nous mettez de la dancehall toute la soirée, on danse toute la soirée, hein, j'ai oublié. Tank in the place, Pour moi c'est Kenobi. Moi-même c'est Paco Jazz, donc c'est Papa Tank. Voilà le groupe. Des Antilles. Tonight. C'est dans la boîte. Les DS, je pense qu'elles apportent une nouvelle touche qui est bien représentative des Antilles, un petit peu de l'Afrique, on va dire, et tout ça mélangé, un petit peu de soul, tout ça. Et Papa Tank, les DS, voilà, ça fait danse avec moi, et franchement, voilà, vous allez kiffer. Voilà. Ultra dynamique, parce que eux, même s'ils ont l'air calmes comme ça, ça va. Fatigué, mais ça se passe super bien. On a tourné toute la journée jusqu'à 4h du matin. Donc c'était très fatigant, mais on s'est super bien amusé avec les filles, avec toute l'équipe qui est là pour nous soutenir. Et voilà, donc ça s'est super bien passé, on était très contentes. On attend que les gens déjà puissent apprécier le zouk, puissent apprécier le coupé décalé, le reggaeton, comme on a voulu le faire transmettre aux personnes. Et donc on espère que cet album plaira aux gens parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et on a mis tout notre cœur et on était très contentes de faire cet album.